Tout d'abord, on peut poser deux questions différentes. La première question, c'est comment exprimer la vitesse volumique d'une réaction chimique. La deuxième, quels sont les facteurs ou quelles sont les techniques pour suivi temporel d'une transforme chimique. Donc, deux objectifs dans ce chapitre. Le premier objectif, c'est l'expression ou comment utiliser l'expression de vitesse volumique. La deuxième, dites les techniques pour suivi l'évolution d'une réaction chimique. Alors, la partie 1, vitesse volumique d'une réaction et le temps de demi-réaction. 1, vitesse volumique d'une réaction, par définition, c'est la dérivée de l'avancement x par rapport au temps divisé par le volume total de la solution. C'est-à-dire, je peux exprimer par v de t est égal à 1 sur v d du x sur dt. Sachant que v, c'est la vitesse volumique de la réaction, s'exprimer en mol lettre moins 1 seconde moins 1. V, c'est volume total de la solution, c'est en lettre. Dx sur dt, c'est la dérivée de l'avancement, c'est en mol seconde moins 1. Peut être exprimé la vitesse volumique en unité mol lettre moins 1 minute moins 1 ou en mol mètre moins cube minute moins moins 1. L'étape suivante, comment déterminer graphiquement la valeur de la vitesse d'une réaction chimique. Alors, les étapes à appliquer pour déterminer la valeur numérique de la vitesse. D'abord, on a la courbe de l'avancement de réaction en fonction de temps. C'est une fonction croissante. Si la question, c'est déterminer la valeur de la vitesse à t1, d'abord, on a besoin de la tangente et deux points à partir de la tangente. Alors, la tangente déjà tracée, on prend deux points, M0, M1, encadrer le point M1, M0, M2, encadrer le point M1, c'est le point de la tangente, à condition, deux points, c'est très loin, il éclaire sa projection. La deuxième, on remplace la dérivée du x par tt, c'est par la variation du x sur dt, sur la variation de t aussi. Donc, V de T est égal à 1 sur volume total fois X2 moins X1 divisé par 2 T2 moins T1. Une petite remarque, en général, on constate que la vitesse de la réaction diminue lors de l'évolution de la transformation chimique jusqu'à une valeur nulle.
L'étape suivante, c'est le temps de demi-réaction, T1/2. Par définition, c'est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transition chimique atteigne la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. Donc, par définition, ou par expression, c'est T est égal à T1/2, X, T est égal à T1/2, est égal à X final divisé par 2. Alors, si la réaction est totale, je peux remplacer X final par X max. X max déjà déterminé au tableau d'avancement. Donc, T est égal à T1/2, X, T est égal à T1/2, est égal à X max divisé par 2. C'est la réaction à l'état d'équilibre. Je peux remplacer X final par X équilibre. Une petite remarque s'ajoute pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre l'état final de la réaction. Est égal à 10 fois T1/2. Quatrième paragraphe, comment déterminer graphiquement le temps de demi-réaction? Donc, on a besoin de l'évolution de x en fonction de temps. C'est l'évolution de l'avancement atteint la valeur maximale, c'est-à-dire le palier. Donc, on détermine x final. Dans ce cas, c'est 10 millimoles. Je le divise par 2, je trouve 5 millimoles. Donc, je fais la projection directement vers la courbe. On trouve point M. Donc, sa projection sur l'axe de temps, ça donne T1/2 dans ce cas a une valeur de 17 secondes. Donc, on profite de faire une petite application. L'ion thiosulfate S2O3-, réagit avec les ions H3+, pour transformer en soufre S, solide de couleur jaune, et en dioxyde de soufre SO2. Alors, on mélange à 25 degrés Celsius 40 ml de solution de thiosulfate de sodium, de concentration 0,5 mol litre moins 1, et 10 ml d'acide sulfurique, acide chlorhydrique de concentration 5 mol litre moins 1. Puis, on détermine l'avancement x de la réaction en fonction de temps. Donc, la courbe donnant x en fonction de temps, et sachant que les deux couples, c'est S2O3-, S, SO2, S2O3-. Donc, on constate que S2O3-, joue le rôle d'un oxydant et aussi joue le rôle d'un réducteur, c'est-à-dire on part d'une réaction d'osmutation. La courbe représente l'évolution de x en fonction de temps et aussi dans la courbe, on constate déjà les tangentes tracées T0 et T1. Première question, construire le tableau d'avancement du système. Premier COP, c'est S2O3-S. Déjà, les méthodes ou la méthode pour écrire la demi-équation, faite dans le premier chapitre, donc facilement.
De même chose pour demi-couple, SO2, SO3 domain. Alors, d'après le texte de cet exercice, la réaction, c'est entre SO3 domain et H3 plus pour donner SO2. Donc, on l'inverse. La deuxième de mes équations, je fais la somme et je simplifie par les électrons, ou aussi H plus et aussi H2O. Donc, on retient d'écrire une réaction globale, c'est 2S2O3 de moins plus 4H plus, flèche 2S plus 2SO2 plus 2H2O. Dernière étape, sachant que la réaction c'est entre deux réactifs, c'est SO2 moins et H3+, on remplace H+, le proton, par des anions oxanions, H3+. Donc on essaie de remplacer H+ par H3+. Une finalisation de cette équation, on essaie d'équilibrer à 0. Oui, finalement, on a ici de tracer le tableau d'avancement. C'est la méthode classique, c'est 1 fois V1, c'est 2 V2. 0, 0, H2O en X. Donc l'état intermédiaire, c'est 1 fois V1 moins X, C2 moins C2 fois V2 moins 2X, c'est le coefficient symétrique, XX en X. Donc l'état final, je remplace X par X max. La question suivante, définir la vitesse de cette réaction et calculer aux dates t0 et t2 minutes, justifie la variation de la vitesse, c'est-à-dire la variation ou la diminution de cette valeur. Donc la valeur ou l'expression de la vitesse, c'est 1 sur v dt sur dt. Donc sachant que dans ce cas, on a la tangente, je remplace la dérivée par la variation dx de moins x1. Ce sont des applications classique, je trouve V est égal à 0 est égal à 4 10 moins 1 mol litre moins 1 minute moins 1. De même, pour V est égal à 2, T est égal à 2 minutes, 6,67 fois 10 moins 2 mol litre moins 1 minute moins 1. Donc on constate que la vitesse diminue. Ça s'observe que la vitesse diminue en fonction du temps. D'une manière générale, on dit que la vitesse diminue fur et à mesure que l'avancement augmente. Ceci est normalement dû à la diminution de la quantité de matière ou la concentration. Concentration, c'est-à-dire à l'échelle microscopique, on parle d'un choc efficace ou la probabilité.
La dernière question, on parle de le taux de numérection, sa définition et sa valeur. Alors, par définition, le taux de numérection, c'était un demi. C'est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteigne la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. Dans ce cas, X max est égal à 0,02, sa moitié est égal à 0,01, donc correspondant à une valeur de T1,5 est égal à 0,7. Pour déterminer T final, je multiplie par 10. Donc le temps final de cette réaction, c'est 7 minutes. Je passe directement à la troisième paragraphe, les techniques de suivi temporel d'une transformation chimique. Donc d'abord, le suivi, c'est de contrôler l'avancement en fonction du temps. Mais il est impossible de contrôler normalement la valeur de l'avancement, mais on a des techniques à suivi d'autres paramètres comme la concentration ou la conductance ou la valeur de pH ou soit parfois la pression. Donc on distingue dans ce cas deux méthodes différentes. Méthode chimique, on parle de dosage, et aussi deuxième méthode physique, on parle de la conductimétrie, pH métrique et la mesure de pH ou le volume. Un petit rappel sur la première technique, on parle d'un dosage. Donc l'année dernière, c'est la première année baccalauréat, on parle d'un dosage par l'utilisation d'un conductimétrique. Un conductimétrie. Donc un conductimètre, c'est-à-dire suivre la conductance en fonction du volume ajouté. Toujours, on constate qu'il existe une diminution, puis une augmentation, c'est-à-dire chaque courbe contient une valeur minimale qui correspond à un volume équivalent. Donc juste après l'écriture d'une équation de cette réaction. Donc je puis écrire à l'état d'équivalence NA est égal NA sur alpha est égal NB sur bêta. Je remplace la quantité matière par CA fois VA, CB fois VB. Donc finalement, on peut déduire la concentration de CA facilement à l'aide des données plus le volume équivalent qu'on peut déduire à partir de la courbe. Deuxième technique, c'est suivi temporel d'une transformation chimique par conductimétrique. Donc la conductance d'abord, c'est G, c'est l'inverse de la résistance, c'est E sur U. Et la conductivité, c'est K fois G. Finalement, l'expression finale de la conductivité sigma, c'est lambda A plus, la concentration A plus, plus lambda B moins, fois la concentration effective de B moins. Dans le cas où on a un cation et un anion dans une équation chimique. Faites attention, un seul problème, quand on a fait des applications numériques, la concentration effective, c'est en mol mètre moins cube.
Maintenant, on est à l'étape de suivi une réaction chimique par pressomètre. Donc, cette partie, normalement, s'intéresse à des options sciences physiques et sciences maths. Alors, l'équation de l'état de gaz parfait, je peux l'écrire d'une manière générale, P fois V est égal à N total du gaz fois R fois T. Sachant que P, c'est la pression, Pascal, V, c'est le volume en mètre cube, N, c'est la NT, c'est le nombre de moles de gaz total dans une réaction. T, c'est la température en Kelvin. Je peux utiliser degrés Celsius plus 273,15. R, c'est une constante, et 8,314. Une petite remarque, si une équation qui contient un seul gaz, je peux remplacer en total par NO2. Si une équation contient plusieurs gaz, je remplace en total par la somme de toutes les gaz. Donc, je peux le remplacer en total par N diffraction à partir d'un tableau d'avancement. Voilà la dernière partie, on parle de l'interprétation microscopique de l'influence de la concentration et la température sur la vitesse. Alors, cette partie pour les sciences maths et sciences physiques. On parle d'un choc efficace. Donc, choc efficace ou choc inefficace. Donc, dans le cas d'un choc efficace, on parle d'une réaction. Mais d'un choc inefficace, aucune réaction, même un choc. Donc, le passage de l'état initial à l'état final, contenant des produits, nécessite une durée plus ou moins longue. Selon son influence, un facteur cinétique permet d'atteindre plus rapidement ou plus lentement à l'état final du système. Donc, pour que les chocs entre deux espèces chimiques puissent être efficaces, il faut une bonne disposition géométrique, une énergie cinétique suffisamment pour casser des liaisons. Le choc doit se faire entre deux réactifs. Deuxième facteur, on parle de l'influence de la concentration des réactifs. Donc, la concentration des réactifs influence aussi sur la vitesse d'une réaction chimique. Généralement, une augmentation de la concentration augmente la vitesse de réaction. La question, c'est comment on peut résumer l'influence de la concentration sur la concentration, c'est-à-dire les réactifs, le nombre de réactifs où la concentration est élevée. Donc, plus le nombre de collisions efficaces sera élevé, plus pour qu'une même période de temps, c'est-à-dire une vitesse plus grande. Pour l'influence de la température du système. Alors, la température du système influence sur la vitesse d'une réaction aussi.
D'une manière générale, une hausse de température se traduit par une augmentation de la vitesse de réaction. Donc on part de l'agitation thermique ou en vibration. Donc on peut résumer l'influence de la température de façon suivante. Plus la température élevée, plus le nombre de particules ayant l'énergie minimale pour réagir augmente. Ainsi, la réaction se déroule plus rapidement. Donc la vitesse de réaction est plus grande. Alors, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. En cas de questions ou des ambiguïtés en physique ou en chimie, n'hésitez pas de nous contacter via WhatsApp. Merci pour votre attention.